Bonjour tout le monde, ici le prof et bienvenue à cette nouvelle vidéo des trouvailles du prof. Aujourd'hui, beaucoup de jeux diversifiés, Xbox One, PS Vita, PS4, DS, GameCube, 360, 3DS et Nintendo DS, hein. Une très bonne récolte durant les dernières semaines. Et on débute avec un petit jeu bien sympathique que j'ai mis la main dessus. Et je parle de Monkey Ball, Super Monkey Ball Banana Split, ouais. Monkey Ball Banana Split, Super Monkey Ball Banana Split. Et vraiment un petit jeu sympathique. Ça faisait plusieurs fois que je le voyais, il était toujours au même prix, 14,99$, fait que je me suis dit pourquoi pas, étant donné que je profite, j'essaie le plus souvent de profiter de ma promotion que le troisième jeu est gratuit. Et quand je parle du troisième jeu gratuit, c'est des jeux, bien sûr, chez Microplay, pour pas les nommer, pas faire placement de produits, hein. Placement de produits, Microplay. Non, mais sincèrement, j'aime mieux vous le dire d'où ce qu'ils viennent, parce que vous pouvez profiter des mêmes avantages que moi, hein. Le conseil que je peux vous donner, c'est prenez le maximum de jeux qui vous intéressent à 14,99$ et vous allez pas payer le troisième. Ça va vous revenir à 28 plus les taxes 30 quelques dollars, 34 admettons là. Et vous allez avoir trois jeux de bonne qualité pareil. Hein. Fait que le petit Super Monkey Ball Banana Splits. Par la suite, tu sais, des fois, il y a des journées comme ça, hein. Tu veux absolument t'acheter des nouveaux jeux, puis t'essaies de trouver ce qu'il y a de mieux pour ce que t'as, l'argent de tout. Et on est tombé sur un jeu de Xbox One, et on parle ici de... Ça s'intitule dans Mirror's Edge à Catalyst. Hein? Catalyst, oui. Ça va pas sonner comme Cataclysme, mais c'est Catalyst. Mirror Edge. Bien sûr, comme on peut voir, c'est un jeu Xbox One. Je n'ai pas encore la Xbox One, mais ça ne serait tarder. Hein. Moi, ça me dérange pas de collectionner des jeux, hein, en sachant très bien qu'un jour, je vais avoir la console. C'est la même chose pour la PS Vita. J'avais commencé déjà à avoir quelques jeux avant de mettre la main officiellement sur la PS Vita. Mais j'avais, tu sais, quand tu te retrouves avec la PS Vita, ben, t'es content d'avoir déjà une bonne petite librairie. Hein? Moi, j'achète les jeux quand je les vois pas assez. Tout ça, puis ça peut valoir la peine. Autre jeu ici, c'est Arslan The Warriors of Legend. Hein, ça a l'air d'un petit jeu un peu peut-être RPG, jeu de coop. Ça a l'air d'avoir un peu de baston. Un peu peut-être comme les Warriors. Ce Warrior, en tout cas. Au pire le nom en bas officiellement de ce que je pense de quel jeu là, mais c'est des séries que c'est vraiment des gros groupes de guerriers que tu contrôles et ils vont se battre. C'est ce que je vois comme image, je l'ai pas essayé. Je n'ai pas le Xbox One, hein, bien sûr. Jeu complet, hein, bien sûr. Ben complet. Maintenant les livrets sont très sont rendus cheap, hein, les nouvelles générations de consoles, Xbox One, PS4, même Wii U. Qui est plus vraiment sur le marché. Fait que ça, c'est une promotion que j'ai profité, hein, pour 14,99$ le jeu. Fait que je regarde des jeux qui m'intéressent pour ma collection et c'est bien. Ça fait que ça me permet de mettre la main sur quelques jeux. Par la suite, j'essaie d'y aller quand même d'un autre chronologique. Je suis allé faire un petit tour au Best Buy. J'avais l'intention d'acheter. Zelda à la Wii U, malheureusement j'ai pas pu mettre la main dessus, il y en avait plus, parce que ça c'est une pièce que je veux mettre rentrer dans ma collection, et j'ai quand même eu la chance de mettre la main sur ce Rise of the Tomb Raider, hein, le deuxième opus de la nouvelle mouture de ce Tomb Raider, hein. Le premier était sorti sur PS3, légèrement remasterisé pour la PS4, et là ben, on tombe avec le 20e anniversaire, hein. Ça fait quand même 20 ans que Tomb Raider est sorti sur PS1 et PC, fait que vraiment content. Ce qui m'a attiré en premier, c'est
le mode VR, parce qu'il y a une mission VR, tu sais, on est dans le manoir de Lara Croft. Malheureusement, j'y ai joué peut-être 15 minutes et je n'étais plus capable de le déplacement, c'est dégueulasse. Tu sais, quand t'es habitué à un bon Resident Evil, puis là, tu tombes avec ça, tu fais wouf, puis vraiment, j'ai eu des maux de cœur, ce que je ne pense pas jamais retoucher au mode VR de ce jeu, malheureusement. Mais ce qui est de l'histoire principale, le jeu, pourquoi il existe à la troisième personne et avec Lara Croft qu'on a pu upgrader des choses, ben ça, ça va être plus intéressant d'y jouer dans le futur. Par la suite, ben à force d'acheter des jeux à 15$, un mané, on remplit sa carte. Hein? Une petite gorgée d'eau. On finit par remplir sa carte qui nous donne un rabais de 20$, et c'est là qu'on en profite pour acheter des jeux qu'on habituellement on attendrait un peu plus longtemps. Ben moi, dans mon cas. Et j'ai eu la chance de mettre la main sur The Witcher 3 The Wild Hunt. Hein, c'est ça? Non, Wild Hunt. Il n'y a pas de The Wild Hunt, c'est Wild Hunt. Et vraiment content. Il était à 24,99$. Déjà à 24,99$, je pense que je l'aurais acheté sans 4 rabais. Mais le jeu m'est revenu à 5$. Fait que chez Microplay, toujours, hein, les cartes, ça c'est bien. Les cartes, comment ça fonctionne, ceux qui ne savent pas, c'est que ils vous donnent une carte. Quand vous achetez des jeux usagés hein, de 14,99 et plus, ben, ils vous donnent un tampon. Fait que quand on utilise la promotion des 3 jeux, ben, si le vendeur est sympathique, il va te mettre 3 collants, ben, 3 tampons. Fait que quand tu fais ça 2 fois, ta carte est déjà pleine. Fait que dépendamment des places, des fois ils t'en mettent juste 2 parce qu'ils pensent que le troisième gratuit ne mérite pas d'en avoir un, mais ça dépend. Mais dans ce cas-ci, The Witcher 3, c'est le jeu actuellement que je joue en live, fait que le vendredi soir et même peut-être le samedi, ça dépend. Peut-être que je vais faire un ou l'autre ou les deux en même, pas les deux en même temps, mais les deux à la consécutif parce que je veux vraiment m'investir dans ce jeu-là, je veux investir de l'énergie parce que avoir une belle grosse collection, ça peut être bien le fun, mais pas profiter de ces jeux, ça c'est moins agréable et c'est ce que je trouve, c'est peut-être mon plus grand défaut. Beaucoup de jeux que je mets la main dessus, mais pas beaucoup de temps investi pour y jouer. Fait que ça c'est quelque chose que je vais essayer d'investir un peu plus de temps, surtout l'été ça va aider. Fait que The Witcher 3, vraiment content d'avoir mis la main là-dessus. Par la suite, comme je vous dis, ce jeu-là m'avait coûté 5$, fait que je vous dis, mais j'ai pas assez dépensé et en plus... Par hasard, comme ça, faut comprendre que Microblé reçoit des jeux. Hein. Des fois, il reçoit des jeux un peu plus rétro. Pas super rétro, mais des fois, ils ont du Game Boy. Là. Mais ils rachètent des jeux. Et ils ont toujours des fois une petite section plus rétro. Et j'ai mis la main sur ce Zelda Twilight Princess. Ben, The Legend of Zelda de Twilight Princess. Et non, Twilight Princess, il n'y a pas de Twilight Princess. Et il était seulement à 14,99$. Ça, c'est une excellente aubaine parce que ce jeu-là se vend facilement à 50$ sur eBay. Hein. Puis ici, ben, je veux dire, en magasin, c'est des mêmes prix aussi, peut-être même un peu plus cher. Fait que en très bonne condition, il est complet. C'est mon deuxième jeu que j'ai comme ça. Hein. Vous voyez quand même un petit pli dans le livret, mais il est quand même en bonne condition. Pour 14,99$, c'est mon deuxième exemplaire. C'est que cet exemplaire-là va se retrouver dans le bac des doubles pour futur échange. Moi, j'aime mieux échanger que vendre. Je veux pas vendre. D'un, c'est pas mon but de vendre mes jeux pour l'instant. C'est vraiment d'échanger cette belle pièce pour une autre belle pièce. Par la suite, on continue les achats. Hein. Plus tard, une année, on a le goût d'acheter encore des jeux et on veut toujours profiter de la promotion. 14,99$, 3 fois, le troisième coûte rien, ça fait que 30$, plus les taxes, c'est réglé, t'as 3 jeux. Le jeu t'en vient à une dizaine de dollars chaque. 11 de dollars. Le premier jeu qui m'a intéressé, c'est celui-ci, Batman, hein, le Batman de Telltale Series. C'est la première fois que je voyais en usager, à un prix très raisonnable, 14,99$. Comme je dis, c'est les promotions que j'aime bien utiliser. Après quelques lectures, je me suis rendu compte que c'était juste l'émission 1. En tout cas, le scénario 1. Puis les autres étaient peut-être en ligne, téléchargés, je sais pas. Il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis de cette compagnie-là, hein? Telltale. Et c'est plus film interactif, si on veut dire. On a des choix à faire, là, mais... moi, c'est pas les jeux qui m'interpellent tant que ça, mais... Ça reste quand même du Batman. Et du Batman, j'aime collectionner le Batman.
J'en ai beaucoup de jeux de Batman. Et ça, c'est d'autres. Comme les, quand je parle de pépites, de filons à collectionner, ben Batman, ça fait partie des filons. Après ça, ben c'est sûr que quand tu commences à vouloir profiter de la promotion des trois jeux, puis t'en payes juste deux, il faut quand même que tu trouves des pièces intéressantes. Et vraiment, j'étais content d'avoir vu cette pièce. Et je parle ici de Gears of War 2. Oui, Gears of War 2, tu peux l'avoir facilement pour 5 pièces n'importe où. Mais celui-ci, c'est vraiment l'édition limitée. C'est vraiment un coffret. Vous voyez, ici, il y a un fourreau en carton. Après ça, ici, un autre fourreau en carton qu'on peut mettre comme ça. Hein? Après, on a un steelbook. Hein? Avec le CD dedans, et on a même un petit, whoops, on a un petit livre avec plusieurs artworks. Belles images à fin de compte, sûrement, je vous montre pas très bien, là, mais plusieurs images à l'intérieur. On a même une petite photo bien sympathique. Hein. Après, ben, quand on ouvre le steelbook, un beau steelbook, ben là on a le manuel, et on a deux CD. On a le CD 10 bonus édition limitée et on a le jeu en tant que tel. Hein? C'est ça qu'on a. Fait que moi, ça, 14,99, oh yeah, on n'hésite même pas. Avoir eu juste un jeu acheté dans l'eau, c'est lui que j'aurais pris. Sincèrement, c'est lui que j'aurais pris. Parce que à chaque fois, j'ai la chance de mettre la main sur une édition limitée, illimitée. Non, pas limitée, ça serait un peu stupide. Édition illimitée, il y en aura toujours. Non, une édition limitée, ben je mets la main dessus parce que étant donné que je sais qu'il va en avoir moins. Puis tu sais, c'est. J'aime ça, moi. J'aime ça ces boîtes-là avec solide, steelbook, plein de petites pièces de plus, des bonus, tout ça. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir à chaque. Et bien sûr, étant donné que là, j'avais trouvé deux jeux intéressants, il fallait quand même que je trouve un troisième jeu pour compléter, tu sais, le jeu gratuit, on va dire, là. C'est un Duke Nukem. Oups, et disons que si je laissais le choix de décider sur quelle console vous allez trouver ce Duke Nukem là, vous auriez tendance à chercher longtemps. Et je vous parle ici de Duke Nukem, en plus il y a un Critical Mass. Duke Nukem Critical Mass sur DS, oh là 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 les amis, hein, je veux dire, les images de ça là, on s'entend que ça doit pas être. Premièrement, Duke Nukem, il me semble, habituellement, c'est à la première personne. Puis là, on le voit à la troisième personne. Fait que... Je sais pas si ça va être bon, mais tu sais, genre de jeu, tu te dis, ce jeu-là, il doit être mauvais, mais ça reste quand même la série des Duke Nukem. Et c'est peut-être un jeu qu'on verra pas souvent. Fait que ça reste quand même une rareté. Fait que ça serait un genre de jeu que dans 20 ans, justement, qui devienne une petite rareté intéressante à avoir mis la main dessus. Fait que le jeu gratuit, c'est lui. Fait que ce que j'aime dans mes vidéos, c'est de faire des petites prédictions comme ça, là. Hein, quel jeu je pense plus tard qui va avoir plus de valeur? Ben lui, je pense que, étant donné que c'est une crap, un jeu, à mon avis, pas très intéressant. Ça doit pas s'être vendu énormément parce que, tu sais, la clientèle de la DS, on s'entend que c'est des enfants. Là. Tu leur ajoutes pas un gros Duke Nukem là, qui tire sur tout le monde. Fait que... Personnellement, j'aurais tendance à amuser ce jeu-là, hein, dans tout ce que j'ai trouvé. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a des classiques comme Zelda, mais là, on parle pas de Zelda. On le sait que ça, c'est assuré que ça va avoir un peu plus cher plus tard. Le Witcher 3 aussi, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est une question de... À mon avis, il y en a pas de nawa tant que ça. C'est là que je veux en venir. Après, oui, on a... Ça, c'est tout récemment. Encore, à force d'acheter des jeux, je vous le dis, à force d'acheter des jeux à 15$, on remplit la carte. Ah oui, donne-moi des poinçons, mets-moi ça des poinçons. Ça fait que j'ai pu mettre la main sur ce jeu-là. Et ça, c'est ça va un petit peu dans l'esprit du Duke Nukem. Assassin's Creed Chronicle, hein? Y a-tu vraiment du monde qui ont payé le gros prix pour jouer à des petits jeux pseudo 2D.5 là? Quand on est habitué de jouer à des Assassin's Creed de qualité, monde ouvert et tout, puis là on se retrouve avec des jeux, je pense que ça devait se vendre sur PS Store, quelque chose de même là, en ligne là. Et ben, y a
trois aventures. Assassin's Creed Chronicle, India, China et Russia. Hein? Là, c'est marqué Chronicle, mais regardez, je vais vous montrer. Ici, on voit que comme trois principaux personnages. Fait que, dépendamment, il y a trois aventures. Moi, j'ai mis la main. Ben, il était 24,99 plus la carte, le rabais de 20$ m'en revient à 5$. Fait que, j'ai pas à me plaindre. Fait que, non, j'étais bien content parce que, genre, ça, c'est comme je disais tantôt, la genre de pièce d'Assassin's Creed, ça s'est vendu à peine. Tu t'en trouves plein, t'es payé 5$, c'est premier, sans problème. Mais ça reste une série que plus tard, dans 20 ans, on va voir remettre la main dessus. Et les jeux, ils se vendront plus 5$. Il y en aura. Ben. T'es capable de les trouver peut-être dans 20 ans, 10, 15, 20. 20, je pense, ça serait mon prix juste que je ferais, moi, en tout cas. Mais lui, tu sais, genre, il y en aura pas beaucoup, justement. Fait que c'est pour ça que, à mon avis, si j'avais à miser à nouveau, ben, j'irais pas vers le Duke Nukem, mais j'irais vers ce petit Assassin's Creed. Ça fait que Duke Nukem, Assassin's Creed, bon, on voyait pour Assassin's Creed, il y a bien plus une grande communauté hein, de fans pour cette série que des Duke Nukem. Duke Nukem, ses meilleures années sont vraiment très très loin, puis c'était sur PC. Par la suite, j'ai eu des dons. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour les dons. Ça fait toujours plaisir. Hein, on commence avec un don de Claude Olivier. Et on voit ici New Super Mario Bros. Sur DS. On voit pas très bien parce qu'il n'y a pas le zoom. Là, mais un petit zoom, l'ami. Allez. Bon, c'est bien. Ça, c'est bien sûr un petit jeu que je possédais déjà en boîte. Mais ça reste quand même un excellent jeu. Tu vois, là, si ça sert à rien de mettre ça à la tablette, on le verra pas. Après, lui, je suis content parce que je l'avais pas. J'ai fouillé. Je pensais que je l'avais, mais à fin de compte, je pense que j'ai version Game Boy Advance ou quelque chose de semblable comme ça. Mais non, lui, je l'ai pas. Faut que je trouve le moyen de me trouver une boîte. Et on parle, bien sûr, de Mario Luigi A Bowser Inside, Inside Story. Ouais, Inside Story. Fait que Luigi puis Mario se retrouvent à l'intérieur de Bowser. Fait que ça, faudrait que j'essaie de jouer. Je le sais dans ma DS. Et c'est toujours Claude Olivier. Hein? Et un autre jeu de Claude Olivier encore. Hein? Ça, je suis vraiment content d'avoir mis la main là-dessus parce que on se retrouve avec Kirby Triple Deluxe. Et je dis bien Kirby Triple Deluxe. Hein? Je suis pas pire à mon anglais pareil. Fait que Kirby, j'adore Kirby. Collectionner les Kirby, hein? C'est un autre filon, ça que tu te trompes pas. Les Kirby. Puis il y en a quand même pas mal à collectionner, les Kirby. Il y en a encore une couple que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais ça ne serait tardé. Hein. Soyons patients. Ça sert à rien de se presser, de mettre carrocher de l'argent par les fenêtres. C'est les occasions. Hein, parce que, tu sais, ça, un beau petit don. Ça va être à moi de faire un échange. Peut-être on verra bien dans le futur. Et un autre don que j'ai eu. Et je remercie Evan. Et c'est cette magnifique boîte de Mario Kart 7. Parce que techniquement, c'est la boîte que j'ai eue avec le livret. Parce que Claude Olivier m'avait auparavant échangé le jeu justement de Mario Kart 7. Fait que je l'ai mis dans sa boîte. Fait que j'ai complété. Hein? Fait que je me retrouve avec un Mario Kart 7 en boîte. Fait que j'ai eu deux dons différents de différentes personnes, mais j'ai combiné ça et ça me fait un Mario Kart 7 très 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 content parce que Mario Kart ça fait partie aussi des séries que j'aime bien collectionner. Ça fait qu'ici on a Mario Kart 7 comme ça et complet en bois. Ça fait que c'est encore mieux, c'est plus beau. Ça fait qu'on se retrouve avec plusieurs jeux 3DS, hein. Puis tu sais, je l'ai dit avec le Xbox One, mais ça me dérange pas de collectionner des jeux que j'ai pas la console. Sauf que j'ai eu ça aussi. Et ça, c'est un cadeau de ma conjointe. Merci mon amour. Fait que un beau petit Legend of Zelda Majora's Mask 3D, hein, la version remasterisée pour justement la 3DS. La 3DS. Et vraiment, vraiment, vraiment content. Ça fait partie de les Zelda. Ça vient compléter un jeu de plus dans ma collection des Zelda.
doit être ma prochaine vidéo de collection de jeux d'une série, c'est les Zelda. Je vous spoil un peu, mais c'est pas si grave que ça. Fait que vraiment, vraiment content. C'est un jeu qui était au départ sorti sur N64. Je l'ai juste à côté. Il est en boîte. Fait que vraiment, vraiment content. Et pourquoi tant de jeux 3DS quand t'as pas la 3DS? À quoi tu penses? Ben, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. À un moment donné, je me suis décidé à acheter une 3DS. Mais là, quand tu décides d'investir dans une console, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? Parce que disons que j'ai quand même mis le prix. On s'entend que... 179$ pour une 3DS en boîte complète. Je veux dire, il y avait tout. Il y avait même plus. Il y avait quand même la boîte de le chargeur, hein, parce que c'est un peu stupide, là, mais il est la DS que j'ai, il n'y avait pas de chargeur à l'intérieur. Nintendo, je vous comprends pas des fois, mais je vous comprends vraiment pas. Pensons ensemble, quelle est la meilleure 3DS que j'aurais pu mettre la main dessus? Ben, de un, il faut commencer par dire qu'il me faut une New 3DS. Hein, avec le stick analogue qu'ils ont ajouté, parce qu'avant la 3DS pouvait ajouter une espèce de, regardez, je vais essayer de vous le montrer l'image, mais ça va peut-être être un peu merdique là ici, vous voyez il y a comme un petit icône, mais vous voyez la 3DS avec un ajout, je sais pas si vous avez bien vu là, pour ajouter à fin de compte le stick qui manquait. Parce qu'il y a eu plusieurs portages, puis on a besoin de ces sticks-là, ça aide pour... Parce que maintenant, un stick qui fait bouger le personnage, puis l'autre stick, c'est la caméra. C'est rendu un standard. Et, ben comme je dis, quel est le modèle qui serait le top du top des tops pour payer 179$ plus taxes? Ben, une New 3DS. XL. Pas le choix. Pas rester dans juste la New 3DS normale. Édition spéciale, bien sûr. Quoi, Pikachu, Mario? Et non. Hyrule. Edition. Complète en bois. Le chargeur avec, à part. Les cartes sont dedans. Tout est dedans. Les papiers. 179$. J'ai mis l'argent. Mais, je me souviens d'une émission à la télé. C'est un gars qui se promenait. Il allait voir des collectionneurs de voitures, de peu importe ce qu'il collectionnait. Des bouteilles de jeux vidéo, peu importe. Puis il y a un commentaire qu'il a fait, puis qui m'a résonné dans la tête. Il a dit, si la chance, à un moment donné, tu as la chance d'acheter une pièce importante pour ta collection, ben profite-en, si tu peux te permettre, achète-la. J'avais l'occasion d'acheter cette pièce-là. Regardez, vous voyez le livret, les cartes à l'intérieur. Le petit carton. Et bien sûr, la console. Fait que c'est ça, j'ai écouté mon cœur, mais j'ai écouté ma tête en même temps. Vous voyez, ça c'est une belle édition spéciale, ça. Parce qu'une édition spéciale, Zelda que j'avais vu, c'était juste un petit triangle dessus, c'était vraiment cheap, là. Fait que là, on a la 3DS XL. Édition, la New 3DS XL édition Hyrule. Wow! Ça m'a coûté 200 avec les taxes. Mais je me suis pogné un produit haut de gamme. Cette édition-là, dans 20 ans, on s'en reparlera, mais je vais avoir doublé mon profit. C'est sûr. Si je décide de la vendre, bien sûr. Si je décide de la vendre. Parce que déjà sur eBay, des 300, 350, 400, j'ai vu des 1000$. Je sais que le gars, il peut bien mettre le prix qu'il veut, là. Je pense pas que ça se vende tout de suite 1000$, là. Il y a quand même du monde qui ont osé mettre cette console-là 1000$ en ligne. Ça fait que ça, c'est la grosse pièce de cette vidéo. Vraiment, je suis super content. C'est magnifique. Tu sais, j'avais déjà des jeux 3DS. Ça fait que j'arrive, j'ai ma 3DS. Puis j'ai déjà une bonne petite boîte de jeux 3DS. Kirby est super intéressant, Zelda aussi. Il y en a que je suis content, c'est mon Castlevania que je vais pouvoir jouer. Ça fait longtemps que j'ai mon Castlevania 3D. 3DS. Fait que vraiment, c'est une belle pièce. Super content d'avoir mis la main dessus.
Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Hein? J'espère que vous avez apprécié. Mettez des pouces bleus, ça m'encourage toujours. Mettez des commentaires. Soyez francs aussi, parce que je sais que je parle beaucoup d'argent, mais c'est une réalité. Ça vaut du cash. C'est un investissement. Moi, je mets pas mon argent à la bourse, dans le REER, pis ça. Non, moi, je trouve que c'est de l'arnaque, tout ça. Surtout que ceux qui contrôlent tout ça, c'est eux autres, plus eux autres qui se mettent ça dans les poches. Moi, j'ai décidé que mon argent allait être investi dans ma maison et sur ma collection de jeux vidéo. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.